Jeanne Arumugom utilise la voiture de sa mère de temps à autre. Une DS4 achetée d'occasion il y a tout juste 2 mois. Elle vient d'apprendre qu'elle est concernée par la campagne de rappel de véhicules pour airbag défectueux. Pourtant, aucun signe alarmant visible. J'allume ma voiture, je pars et j'ai même pas de voyant ou même pas un message qui s'affiche sur le tableau de bord pour m'informer que justement il y a un souci au niveau du airbag. Je me sens un petit peu inquiète parce que je me dis à tout moment je suis sur la route et ça peut très bien se déclencher. Je me prends un airbag, ça peut forcément me déranger dans ma conduite et par la suite créer un accident ou même me faire mal. Il y a 2 ans, une femme de 39 ans est décédée à la Salines-les-Bains, touchée par des éléments provenant de l'airbag de sa DS3. L'année dernière, un homme de 55 ans, blessé à la mâchoire, a été défiguré. Des véhicules équipés d'airbags de la marque japonaise Takata qui sont très sensibles à nos climats tropicaux. Mais après vérification, le soulagement pour Jeanne Arumugom chez le concessionnaire DS. Sur le châssis de cette dame, on a pu contrôler qu'elle n'était pas concernée par une campagne de rappel au niveau de l'airbag Takata, mais sur une campagne de rappel au niveau de la courroie de distribution, donc un contrôle de cette courroie qui n'est pas une campagne sécuritaire et qui lui permet de rouler. Par contre, les 7200 véhicules DS et Citroën concernés par le rappel d'airbag dans notre département doivent être mis à l'arrêt car sont susceptibles d'exploser. Il s'agit de C3, C4, DS3, DS4, DS5, produits entre 2009 et 2017. Chez DS, 1000 propriétaires restent à être identifiés. Il faut absolument qu'ils arrêtent de rouler, qu'ils nous appellent, qu'on puisse vérifier s'il y a effectivement un airbag Takata qui est monté, qu'on puisse le remplacer gratuitement sur ces véhicules. Alors aujourd'hui, nous avons monté des équipes mobiles sur toute l'île qui vont intervenir directement chez les clients pour procéder à la réparation. C'est une intervention qui est entièrement gratuite. Des numéros de téléphone dédiés sont mis en place pour faciliter les choses. Par ailleurs, la prise en charge de véhicules de remplacement est possible.